Parfait. Bon. Alors, on reprend? Oui, on Allora, peut riprendiamo la scusa, lezione. ma Nadia, soltanto un minuto per dire ai corsisti che nella cartella del professore Jovlen abbiamo caricato alcune foto che ho scaricato da internet che riguardano i ragazzi sui motorini che fanno le impennate nei quartieri di Fiv. Per cui lì a Lille, se, è giusto una nota di colore, ma se li volete andare a vedere, giusto per sapere quello di cui parliamo, insomma, era questo. Ok, scusami, Nadia. No, prego. Ok, allora on peut commencer, je pense. D'accord, ok. Voilà. Ils ont les parapentes. Sì, oui. Du moins, moi, je le vois. Allora, ve vedete tutti i PowerPoint? Sì. Sì, ok. Sì. Voilà. Et donc, nous allons travailler sur les parcours et demandes d'asile en France. Quindi stiamo per vedere il percorso dei richiedenti asilo in Francia. Alors, c'est un document qui est fait et réalisé par une directrice de l'Office français dell'immigrazione e dell'intégration. Quindi questo documento è stato creato da una direttrice dell'ufficio francese dell'immigrazione e D'ailleurs, dell'integrazione. Anna Elia, hein, le professeur Anna Elia a assisté à son doctorat. Elle était membre du jury lorsqu'elle a obtenu son doctorat. Quindi Anna Eli ha assistito al suo dottorato, era membro della giuria quando questa persona ha passato il suo dottorato. Alors, donc, voilà les programmes. Hein, l'Office français d'immigration et d'intégration, demandeurs d'asile, de qui parle-t-on? Bon, là, on va passer vite parce qu'on l'avait fait hier et on passera du côté des parcours. Enfin, voilà. Donc, nous allons faire tout cela. On a à peu près 9 points à voir. Jusque. Quindi abbiamo più o meno 9 punti da vedere. Je n'arrive pas à passer. Allora, c'è un problema per passare da una slide all'altra. Oh là 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 là. Voilà. Donc, rapidement, du point de vue historique, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a déjà donc 75 ans. 75 ans. Il a été créé par l'ordonnance donc des 2 novembre 1945. Et donc ici, on voit, hein, tu vois Nadia, ce que Oui, je disais tout à l'heure, je vois. l'OMI, hein, donc 45, création de l'Office national de l'immigration, 98, ça change, il devient Office de migration internationale, 2005, ça change, ça devient Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, qui fusionne avec les services d'accueil et d'aide aux immigrants, et en 2009, création de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Voilà. Quindi iniziamo con l'OFI, che è nato 75 anni fa, quindi nel 1945 viene creato l'Ufficio Nazionale dell'Immigrazione, l'ONI, nel 98 diventa l'Ufficio delle Migrazioni Internazionale, l'OMI. E nel 2005 c'è la creazione dell'Agenzia Nazionale dell'Accoglienza per l'accoglienza degli stranieri e delle migrazioni, l'ANAM, e c'è una fusione con il SSAE. Nel 2009 c'è la creazione dell'Ufficio francese dell'immigrazione e dell'integrazione, l'OFI, e c'è un'altra fusione con una parte della CSE. Alors, c'est
ACS, c'est en fait la. Oh, j'oublie les termes. L'accès, en fait, c'est une agence qui travaille autour donc des phénomènes migratoires et qui finance aussi des actions, hein, donc dans les quartiers difficiles, voilà. C'est ça, l'accès. Sì, quindi la CSE è un'agenzia che si occupa del fenomeno migratorio e che finanzia alcune azioni nei quartieri difficili. Alors, et donc l'OFI a donc cinq axes prioritaires, hein, l'immigration professionnelle et familiale, accueil et intégration des étrangers, accueil des demandeurs d'asile, retour et réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine, et puis la procédure d'étrangers malades. Ça, ce sont les missions, hein, donc de l'OFI. C'était un établissement de l'État, du ministère de l'Intérieur. Quindi l'OFI ha cinque assi prioritari, cinque missioni, l'immigrazione professionale e familiare, l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri in situazione regolare, l'accoglienza dei richiedenti asilo, il ritorno e la reinserzione degli stranieri nel loro paese di origine e una procedura chiamata straniero malato. Emmanuel? Ah, Oui. okay. Je Non, pensais mais que j'ai c'était bloqué. des problèmes pour l'avancer. À chaque fois, je reviens, je tape, il revient en arrière. Donc, je ne sais pas. Alors, c'est aussi un réseau très étendu de l'OFI. Hein. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a 31 directions. Donc, nous avons qui s'étend dans les départements d'outre-mer, les DOM. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 31 directions territoriales, 7 à l'étranger. Par exemple, à l'étranger, il y a l'Arménie, les Cameroun, le Maroc, la Tunisie, donc où on trouve cet organisme. Quindi l'OFI ha una rete molto estesa verso 31 direzioni diverse, direzioni territoriali in Francia e direzioni verso l'estero, come l'Armenia, il Camerun, il Mali, il Marocco. Alors, juste une petite précision hein, pour comprendre un peu. Quelle est la différence entre un demandeur d'asile et un réfugié? Un demandeur d'asile, c'est un étranger inscrit dans une procédure visant à obtenir la reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire. Alors qu'un réfugié ou un bénéficiaire de la protection, c'est un étranger qui a obtenu une réponse favorable à sa demande d'asile et est autorisé à séjourner en France. Le demandeur d'asile, donc, il est en train de demander pour devenir, en fait, réfugié. Voilà. Ok, allora vediamo adesso la differenza tra richiedente asilo e rifugiato. Allora, il richiedente asilo è uno straniero iscritto in una procedura per ottenere il riconoscimento dello statuto di rifugiato o di protezione sussidiaria. E invece un rifugiato o chi usufruisce della protezione sussidiaria è uno straniero che ha ottenuto una risposta favorevole alla sua richiesta di asilo e quindi è autorizzato a soggiornare in Francia. Oh là là. Non, Ça n'avance pas? non, non, j'utilise une autre technique, mais. Allora, c'è un piccolo ecco. Alors, ensuite, nous arrivons à la Convention de Genève. Je pense que là, ce n'est pas la peine de trop traîner. Je crois qu'ils l'ont déjà fait. Hein, donc, signature Allora, des. vediamo molto velocemente la Convenzione di Ginevra, penso che voi l'abbiate già fatto. Donc là, c'est une convention qui a été signée par un certain nombre de puissances européennes, hein, 1800. Donc là, c'est l'origine, hein, l'origine de cette convention de Genève. Nous avons donc les 12 représentants
les États et royaumes qui ont signé, qui signaient cette convention à l'époque. Quindi molto velocemente vediamo l'origine di questa convenzione. Quindi è stata firmata da 12 potenze europee nel 1864. Voilà. Donc, regardez un peu, nous sommes en 1864, mais il ne va rentrer en vigueur, notamment en France, qu'en 1951. Donc, c'est pour voir un peu les débuts. Quindi siamo nel 1864, ma entra in vigore soltanto nel 1951. 51, scusate. Donc, là, vous avez les grands pontes là, qui sont en train de signer la convention. La première convention protège les soldats blessés ou malades sur terre en temps de guerre et les personnels sanitaires et religieux. La deuxième convention protège les militaires blessés, malades ou les naufragés en mer en temps de guerre. La troisième convention protège les prisonniers de guerre et définit les conditions et les détentions et les autres. Et la quatrième convention protège les civils, notamment en territoire occupé, et inclut les dispositions de l'aide humanitaire. C'est rentré en vigueur en France en 1951. Quindi sulla foto vedete i potenti che stanno firmando questa convenzione. Quindi la prima convenzione protegge i soldati feriti o malati su terra in tempo di guerra e il personale sanitario e religioso. La seconda invece protegge i militari feriti, malati o naufragati in mare in tempo di guerra. La terza invece protegge i prigionieri di guerra e definisce le condizioni e i luoghi di prigionia. E gli altri aspetti della loro prigionia e la loro liberazione. La quarta invece protegge i civili in territorio occupato e include delle disposizioni per quanto riguarda l'aiuto umanitario. E vedete che tutte queste convenzioni sono entrate in vigore in Francia nel 51. Alors, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, c'est l'article premier qui définit donc les termes de réfugiés. Les termes de réfugiés énoncent les droits des personnes déracinées ainsi que les obligations juridiques des États pour assurer leur protection. Les États doivent coopérer pour veiller à ce que les droits des réfugiés soient respectés et protégés. Quindi vediamo la definizione del termine rifugiato. Quindi il termine rifugiato enuncia i diritti delle persone sradicate e i loro obblighi giuridici e gli obblighi giuridici degli stati per assicurarne la protezione. Gli stati devono cooperare per fare in modo che i diritti dei rifugiati vengano rispettati e protetti. Alors, les parcours du demandeur d'asile en France. Donc, les parcours du demandeur d'asile en France. Donc, là, SPADA, donc, parcours des demandeurs d'asile en France. Donc, les demandeurs d'asile arrivent sur les territoires français. Donc, c'est un petit, mais, Nadia, là, je ne sais pas si tu arrives à lire. À tout petit, non, j'arrive pas à lire. Est-ce que je peux grossir un peu le truc? Je ne sais pas si j'y arrive. Là, ça va? Non, c'est toujours pareil. Bon. Et donc, les demandeurs d'asile arrivent en France. Non, je suis obligé de les réduire quand même, parce que sinon, ils ne verront plus. Oh mince, j'avais 85%. Voilà. Donc, les demandeurs d'asile arrivent sur les territoires français. D'accord? Ces demandeurs d'asile doivent se rendre donc à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile.
plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de son département ou de sa région pour être enregistré. Quindi, il richiedente asilo arriva in Francia e deve andare sulla piattaforma di accoglienza per i richiedenti asilo della sua regione o del suo dipartimento in per essere registrati. E donc, il doit remplir un formulaire, on lui donne, e dans ce formulaire, donc, il remplit tout ça. L'état civil, les noms, prénoms, nationalité, l'itinéraire des voyages depuis le pays d'origine, la manière dont la personne est entrée en France, si la personne a déjà demandé l'asile en France ou en Europe, et les formulaires et une photo qui sont prises par webcam seront renvoyés à la préfecture. Quindi, su questa piattaforma dovrà compilare un modulo dove dovrà indicare il suo stato civile, l'itinerario di viaggio dal suo paese di origine e il modo in cui la persona è entrata in Francia e se questa persona ha richiesto asilo in Francia o in Europa. Questo modulo e una foto fatta con una webcam saranno inviati alla prefettura. Alors, ensuite, après donc, il y a un pré-enregistrement de la demande d'asile auprès du service des demandeurs d'asile. Il renseigne les formulaires électroniquement d'enregistrement de la demande d'asile, l'identité, l'itinéraire. Il prend un rendez-vous au guichet unique. Au guichet unique des demandeurs d'asile. Et donc, on va lui remettre une convocation pour se rendre à la préfecture. Quindi, dopo aver compilato il modulo che abbiamo visto prima, deve prendere un appuntamento allo sportello unico e lì viene convocato per recarsi in prefettura. Ensuite donc, là nous avons donc le parcours du demandeur d'asile qui va aller au guichet pour demandeur d'asile. Minute de la convocation qui lui a été délivrée, dont j'ai parlé tout à l'heure, par les services donc de la préfecture pour demandeurs d'asile, les demandeurs par les services délivrés par les services, donc les demandeurs d'asile se rendent donc à la préfecture au guichet des demandeurs d'asile. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a les relevés des empreintes, là à droite, vérification d'identité. Si c'est la procédure Dublin, la procédure normale accélère. La procédure Dublin, c'est-à-dire qu'en gros, ben, une personne qui est déjà passé par un pays et qui va dans un autre, ben, il est renvoyé dans ce pays-là pour que la demande soit traitée. Voilà. Quindi, deve recarsi allo sportello per i richiedenti asilo, il GUDA, munito dalla sua convocazione che abbiamo visto prima e lì gli vengono prese le impronte, questa è la procedura Dublino, e viene verificata anche la sua identità, questa è la procedura normale o procedura accelerata. Ensuite donc il y a donc une attestation de demande d'asile. Cette attestation de demande d'asile n'est pas les mêmes. Là, nous avons l'attestation de demande d'asile pour les procédures normales. Donc il y a, quand on regarde ça, donc on demande un certain nombre de renseignements, il y a la signature, la situation familiale, l'adresse, voilà. Et puis après, donc la date de premier enregistrement, ça c'est la procédure normale. Pour la procédure accélérée, c'est à peu près les mêmes documents, donc voilà, c'est celui-là. Et ensuite, il y a la procédure donc Dublin. Ça c'est les différents modèles de documents qu'on donne.
Allora, qui abbiamo i vari modelli di attestati che vengono rilasciati. Per esempio, se voi guardate la procedura normale, vengono chieste varie informazioni, la firma, la situazione familiare, l'indirizzo, la data della prima registrazione. Questa è la procedura normale. Per la procedura accelerata abbiamo più o meno la stessa cosa e vedete anche la procedura a Dublino. Sì, Oh. Scusate, posso fare una domanda? Non ho capito bene per la Francia la differenza tra accelerata, normale, perché Dublino credo sia la stessa cosa che c'è qui, cioè se è stato chiesto una domanda di asilo in un altro paese per la Convenzione di Dublino deve tornare in quel paese dove è stata chiesta, è più o meno così. Quindi viene rimandato nell'altro paese europeo. Ma la differenza tra l'accelerata e la normale? Ok, alors pratiquement l'étudiante voudrait des précisions sur la différence entre la procédure accélérée et la procédure normale. Elle Alors, pense que pour la procédure de Dublin, ça se passe un petit peu comme en Italie, c'est-à-dire que le demandeur d'asile est renvoyé dans le pays, dans son premier pays d'arrivée. Donc la différence entre procédure accélérée et procédure normale. quand on parle de la procédure normale, c'est-à-dire que les demandeurs d'asile, une fois enregistrés, par rapport à la procédure normale, aura donc sa réponse. Les dossiers doivent être traités dans un délai d'à peu près 6 mois. Vous voyez, donc dans les 6 mois à compter de son introduction devant l'officier d'état civil. C'est ça, en fait, la procédure normale. Et donc, les délais moyens de traitement est de 3 mois, généralement, en application du contrat d'objectif et de performance qui va être signé par la personne. Ensuite, donc, quand on parle des procédures accélérées, les procédures accélérées, c'est fait partie en fait des personnes dont la les qui se trouvent dans une situation un peu différente par rapport à la procédure normale et dont on a aussi des fois des soupçons, hein, donc des soupçons de fraude, des choses comme ça. Vous voyez, donc c'est ça qu'on appelle donc la procédure accélérée. Voilà. Allora, praticamente la differenza tra la procedura normale e accelerata risiede prima di tutto nei tempi di rilascio dei documenti. Nella procedura normale bisogna aspettare 6 mesi, mentre in quella accelerata bisogna aspettare 3 mesi. Rientrano nella procedura accelerata le persone che hanno una situazione diversa rispetto a quelli della procedura normale. Per esempio, saranno persone per le quali non, che vengono sospettate di frode. En fait, là, quand on parle aussi de cette procédure donc accélérée, en fait, en 2015, la procédure accélérée s'est substituée à la procédure prioritaire. Avant, on appelait ça comme ça, pour les demandes présentées en préfecture, c'est-à-dire depuis le 1er novembre, quoi, 2015. Alors, ce n'est pas. Praticamente, no? Ouais, vas-y, vas-y. Prima di chiamarsi procedura accelerata, questa procedura si chiamava prioritaria fino al 2015, dopo ha cambiato nome per diventare procedura accelerata. En fait, lorsque la personne arrive, ces demandeurs-là, on va lui remettre une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour pendant un mois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et donc, valable un mois, les demandeurs doivent, dans un délai de 20 jours, hein, 20 jours, enfin 21 jours, quoi,
à partir d'un formulaire, saisir en fait. Il doit faire sa demande, c'est-à-dire qu'il doit respecter ces délais-là. En plus, quand on parle des procédures accélérées, là, ça renvoie surtout aux personnes qui viennent des pays sûrs. Vous voyez ? Des pays sûrs. Et donc, c'est ça. Donc, l'examen du dossier est fait dans les 15 jours, à peu près, parce qu'on sait que la personne vient donc des pays sûrs. OK. Allora, quando una persona arriva, gli si dà un attestato di richiesta di asilo. Questo attestato è valido come autorizzazione di soggiorno per un mese. E il richiedente deve, entro 21 giorni, presentare la sua richiesta. Questa procedura accelerata rimanda alle persone che in generale provengono da paesi sicuri. Alors, quelques motifs hein, par rapport à cette procédure accélérée. Donc, il y a les pays sûrs. Il y a aussi la personne présente des faux documents ou dissimule des informations sur son identité. La personne refuse les relevés des empreintes. Les relevés des empreintes. La personne présente une menace grave à l'ordre public. La personne présente à l'Office français des protections des réfugiés d'apatrides des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, on prend des mesures d'une procédure accélérée. Voilà. Quindi viene decisa una procedura accelerata quando queste persone, per esempio, presentano documenti falsi, nascondono delle informazioni. Rifiutano di farsi prendere le impronte, rappresentano una minaccia all'ordine pubblico, presentano delle dichiarazioni incoerenti o contraddittorie. Voilà, voilà un peu donc. Ecco un po', ho spiegato un po' la differenza. Voilà, allora. Ça va pour l'étudiant ou bien il a encore des questions? Va bene, è più chiaro, ha ancora domande? Sì, sì, assolutamente, sì, grazie. È che appunto da noi non c'è tanto questa differenza, a parte che in Italia insomma è molto più farraginoso da quando si arriva a tutte l'iter burocratico che bisogna fare per insomma poi essere alla fine chiamati in commissione, quindi passaggi, questura, prefettura, eccetera. E poi da noi non esiste tanto questo, cioè nel senso quando c'erano, più che altro quando una persona non era individuata come una persona sicura, più o meno veniva fatta una cosa, adesso non lo so veramente in questo momento, comunque perché è un momento anche di passaggio, però veniva quasi portata al confine, va, no? Si faceva subito il decreto di espulsione praticamente, quindi non riuscivo a capire come mai in Francia c'è questa differenza, anzi io l'avevo colta più come una cosa positiva, cioè che chi faceva un iter più veloce era perché era, non so, un soggetto più fragile, cioè faceva parte di una categoria che aveva bisogno subito di avere, diciamo, un'accoglienza più immediata, ecco. Comunque, grazie. D'accord. Alors oui, elle a parfaitement compris, tout est beaucoup plus clair maintenant. En fait, elle avait besoin de ces précisions parce qu'en Italie, il n'y a pas ces différences entre procédure normale et procédure accélérée. Et puis, il y a beaucoup de bureaucratie, en fait, beaucoup plus qu'en France, avant de pouvoir passer devant la commission.
Et en Italie, par exemple, les personnes qui étaient considérées comme peu sûres étaient très souvent ou ramenées à la frontière ou carrément expulsées. En fait, elle avait pris cette procédure accélérée comme quelque chose de positif. Elle pensait que c'était une procédure qui avait été pensée pour les personnes plus fragiles, qui nécessitaient l'accélération de la procédure. Non, mais bon, c'est vrai que les personnes plus fragiles et tout peuvent aussi rentrer dans les cas de cette procédure accélérée. Hein. Mm-hmm. Hein? Allora, donc, le persone più fragili possono comunque rientrare anche loro in questa procedura accelerata. Voilà. Grazie. Ok. Bon, après, donc, il y a un guide des demandeurs d'asile qui est là. Donc, ce guide est en plusieurs langues. Vous voyez, il y a même les Chinois, les Géorgiens, les... voilà, donc Tchétchène. Et donc ces guides-là ont été faits pour. Ce sont des guides qui sont donnés donc aux personnes qui sont des demandeurs. Ok, quindi esiste anche una guida del richiedente asilo che, come vedete, in più lingue e che vengono date ai richiedenti asilo. Alors, l'OFI, c'est un acteur majeur, hein, puisque. C'est l'OFI en fait qui instruit aussi un certain nombre de dossiers. Il y a trois volets chez à l'OFI. Il y a les conditions matérielles d'accueil. C'est l'OFI qui s'en occupe. Par rapport à ces conditions matérielles d'accueil, nous avons l'évaluation de la vulnérabilité de la personne, sa santé, la situation des familles, la proposition d'un hébergement, si c'est disponible, et l'ouverture des droits à la location des demandes d'asile, hein, donc de l'argent qu'on va donner à la personne. Allora, l'OFI, l'Ufficio francese dell'immigrazione e dell'integrazione, è un attore maggiore e lavora in tre direzioni diverse. La valutazione della vulnerabilità, per esempio la salute, la situazione familiare, la proposta di alloggio se è disponibile e l'apertura verso diritti a sussidi rispetto alla richiesta di asilo. Alors, l'OFI s'occupe aussi de la relocalisation et de la réinstallation. Relocalisation et réinstallation, donc on voit bien ici, donc ici, c'est les transferts de demandes d'asile, d'accord, qui arrivent de la Grèce, d'Italie, vers les autres pays européens. Ça, c'est l'OFI qui s'en occupe. Par exemple, les Syriens, les Érythréens ou les Irakiens. Et de l'autre côté, par rapport à la réinstallation, c'est les transferts des ressortissants des pays extérieurs à l'Union européenne, d'apatrides identifiés, qui ont besoin d'une protection internationale vers un État de l'UE où ils sont admis, soit pour des raisons humanitaires, soit du fait de leur statut de réfugiés. Vous voyez donc, par exemple, à Riace, on pouvait parler aussi des réinstallations. Hein, donc, lorsqu'on regarde des Palestiniens qu'on avait trouvés là-bas, ou des personnes qui venaient de la Libye, voilà. Allora, l'OFI si occupa anche dei ricollocamenti, per esempio il trasferimento dei richiedenti asilo arrivati in Grecia e in Italia verso gli altri stati europei, dei richiedenti asilo per i quali il tasso medio di riconoscimento di una protezione internazionale nell'Unione Europea era superiore al 75%, poteva usufruirne, per esempio i siriani, gli iracheni. Dopo si occupa anche di reinsediamento, del trasferimento di chi viene da paesi esterni all'Unione Europea o di apolidi identificati come bisognosi di una protezione internazionale
verso uno Stato dell'Unione Europea dove vengono ammessi o per motivi umanitari o per il loro statuto di rifugiati, per esempio i siriani che fuggono la guerra o anche i rifugiati di Riace. Scusami Nadia, giusto una precisazione, la comunità in realtà si trattava dei palestinesi reinsediati, quindi... Sì, a Riace, i palestinesi reinsediati. Si trattava proprio solo dei palestinesi. Ok. Ça va? Oui, oui. C'est Anna qui parlait, non, là? Ah oui, oui, ça va, Manuel. J'ai seulement fait une précisation sur la question de la... réinstallation du réfugié palestinien à Riace. À Riace. En italien, c'est le même. D'accord, merci. Tout va bien, merci, merci Emmanuel. Alors, oh, mais non, mais je reviens au même endroit là, non? Oui. Donc, après l'OFI, vous voyez, c'est l'OPC, chaque fois il y a des abréviations, mais donc, offre de prise en charge. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'OFI offre aux demandeurs d'asile? Il y a les conditions matérielles d'accueil que nous venons de voir, l'inscription donc, dans les fichiers de demandeurs national d'asile, l'évaluation de la vulnérabilité, proposition d'hébergement et puis ouverture des droits à la location. Mais ça, je l'ai déjà fait ça. Non, on en a parlé brièvement avant. D'accord, ok, bon, je reviens. Je ne pense pas que cette diapositive... Oui, c'est alors, bien... Que cosa offre... ancora questa l'OFI. Allora, offre le condizioni materiali di accoglienza, l'iscrizione nel DNA, la valutazione della vulnerabilità. Sì, on l'a déjà fait. Sì, l'abbiamo già fatto questo. Oui, effectivement, c'est-à-dire che j'avais. Sì, sì. Il y a. Oui, c'est ça, oui, ouverture de droit, demande d'asile. Donc, sì, sì, l'abbiamo fatto. Donc, en fait, cette diapo revient deux fois. Voilà. Après, donc, il y a l'entretien à l'OFI. Hein, donc, entretien de l'office à l'Office français de l'immigration et l'intégration au guichet des demandeurs d'asile. Vous voyez, évaluation de la situation des demandeurs d'asile pour l'attribution des conditions matérielles d'accueil. Voilà. Quindi dopo c'è un colloquio allo sportello per i richiedenti asilo, dove c'è una valutazione della situazione del richiedente asilo per l'attribuzione delle condizioni materiali di accoglienza. Ensuite, donc... La personne va donc obtenir, à partir donc du traitement de son dossier, on va lui donner une allocation pour demandeur d'asile. Cette allocation pour demandeur d'asile, si c'est une personne, il aura 6,80 € par jour. S'ils sont deux, ils auront 10,80 € par jour. 3 personnes, 13,60 par jour, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc ça continue. S'il y a 10 personnes, ben les montants, c'est 37,40 par jour. Quindi il richiedente asilo potrà ottenere degli aiuti economici. Come vedete nella tabella, una persona potrà percepire 6,80 € al giorno, 2, 10,20 €. Vedete, se leggete la tabella. Alors, ça c'est bah, on lui donne aussi une carte. Hein. On donne à la personne donc une carte Visa qui est là, Mastercard, qu'il doit pouvoir utiliser. Viene rilasciato anche una carta che potrà essere usata. Alors, c'est pour cela donc, je pense que attention à ce que je vais dire, je ne vais pas dire qu'il faut tricher, mais si vous êtes 10, pardon, vous êtes par exemple 5 dans la famille que vous êtes majeur,
il vaut mieux que chacun fasse sa déclaration à part. Allora, sto per dire una cosa che non significa affatto che bisogna imbrogliare, però se siete 10, vedete, cioè, forse è meglio se siete 5 maggiorenni in famiglia fare ognuno una dichiarazione separata, visto l'ammontare per 10. Donc voilà, donc au moins si vous êtes par exemple 4, d'accord, et que chacun a 6,80, chacun fait la déclaration à part, et ça monte un tout petit peu, sinon ben, c'est terrible. Si, se siete in 4, per esempio, è meglio fare la dichiarazione a parte, viene una cifra un po' più alta, altrimenti è veramente poco. Vous rendez compte, si vous êtes 10 à la maison, alors je vous donne un exemple, vous fouillez la Syrie et puis après vous arrivez en France, pour les 10 personnes, vous aurez 37 euros par jour pour manger. C'est terrible pour vivre, pour s'acheter des quoi, voilà. Quindi se scappate dalla Siria e arrivate in Francia e siete in 10 persone, vedete che percepite soltanto 37,40 € al giorno per mangiare, per vivere, è terribile. Ensuite donc l'hébergement. Donc vous avez les centres d'accueil des demandeurs d'asile, ça sont les différentes formes d'hébergement. Il y a à peu près plus de 90 500 places, mais quand on regarde, ces places sont occupées à 97%. Mais il y a des solutions alternatives. Si vous n'avez pas de logement, c'est-à-dire que vous pouvez appeler les 115. Les 115, c'est les numéros qu'utilisent les sans domicile fixe. Donc vous êtes dans la rue, là, vous voyez, vous êtes assis avec votre valise, là. Et on vous dit, donc vous téléphonez les 115, là, il est possible d'avoir une nuit d'hôtel ou alors d'aller dans un foyer collectif. Sinon, ben, il faut voir les réseaux, les amis, la famille, voilà, les difficultés auxquelles sont soumis les personnes demandeurs d'asile. Allora, per quanto riguarda l'alloggio, ci sono varie possibilità, vari posti. Ci sono più di 90.555 posti che vengono occupati al 97%. Altrimenti esistono delle soluzioni alternative, per esempio voi potete chiamare il 115, che è il numero che chiamano i senza domicilio fisso, quindi chiamate questo numero e c'è la possibilità di andare a dormire una notte in albergo o in un centro collettivo, altrimenti ci sono le reti familiari. Alors, les places d'hébergement, comme je disais tout à l'heure, donc vous avez les centres d'accueil des demandeurs d'asile, les programmes d'accueil d'hébergement des demandeurs d'asile, donc c'est là, souvent on les mettait dans les hôtels Formule 1. Dans les hôtels Formule 1, enfin on les met toujours dedans, ou alors les hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile, et puis après les services intégrés de l'accueil et de l'orientation, voilà. Quindi esistono varie strutture per ospitare, per esempio, i centri di accoglienza per richiedenti asilo, e il programma di accoglienza per i richiedenti asilo che si trovano in ex alberghi, si chiamano Formula 1, Formula 1, che sono alberghi a basso prezzo, in centri che ospitano in emergenza i richiedenti asilo, o al SIAO, che è il servizio integrato per l'accoglienza e l'orientamento. Allora, donc, là je reviens un peu aux questions che l'étudiante avait posées. Ça, ce sont les différentes procédures, donc on l'a déjà expliqué.
Quindi torno lì alle domande che aveva fatto prima la corsista e quindi passiamo veramente velocemente. Donc, normal, donc, la demande d'asile dans les 6 mois, à compter de son introduction devant l'office, hein, en cas de dépassement du délai de 6 mois, une lettre est adressée au demandeur 15 jours avant l'expiration du délai, et après, accélérée, comme j'expliquais tout à l'heure. Et puis, la procédure des Dublin. Voilà. Et il y a un guide des procédures, hein, à l'Office français de protection des réfugiés. Quindi c'è la procedura normale entro 6 mesi, accelerata, abbiamo visto questa entro 15 giorni e c'è anche Dublino. Esiste anche una guida per tutte queste procedure. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut prendre en compte, c'est parce que ici, dans la procédure accélérée, on parle des pays sûrs. Par exemple, en France, je sais que les Albanais sont souvent stigmatisés, hein, par les agents aussi bien de l'OFPRA que de l'OFI. Hein. Donc, si on regarde les codes de l'entrée et du séjour des étrangers, du droit d'asile, dans son article L722, précise que un pays est considéré comme un pays d'origine sûre lorsque c'est la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales. Il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflits armés internationaux ou internes. Donc voilà. Allora, tengo a precisare che nella procedura accelerata si parla anche dei paesi sicuri. Dico questo perché in Francia gli albanesi vengono spesso stigmatizzati. Nel suo articolo L722, il codice d'ingresso e di soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo, dice che un paese viene considerato come un paese sicuro quando, in base alla situazione legale, all'applicazione del diritto nell'ambito di un regime democratico e di circostanze politiche generali, può essere dimostrato che in modo generale e uniforme per gli uomini e per le donne non si è mai ricorso alla persecuzione, alla tortura o a pene o trattamenti disumani o degradanti. E che non c'è minaccia a causa di una violenza che si può estendere a persone senza nessuna considerazione della loro situazione personale in situazioni di conflitto armato internazionale o interno. Alors, ensuite, je reviens donc à l'Office. Vous voyez, il y a l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est un opérateur par rapport aux conditions matérielles, à l'instruction des dossiers aussi. Et nous avons, par rapport à la réinstallation ou l'installation, et nous avons l'Office français de protection des réfugiés apatrides, OFPRA, qui est en charge de l'application de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, l'OFPRA statue en toute indépendance sur les demandes d'asile et d'apatrides qui lui sont soumises. Et l'OFRA est placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Depuis 2009, la commission des recours des réfugiés, hein, la commission des recours des réfugiés, excusez-moi, la commission des recours des réfugiés, rebaptisée Cour nationale des droits d'asile, est rattachée au Conseil d'État. Quindi abbiamo anche l'OFPRA, che è l'Ufficio francese di protezione dei rifugiati e apolidi,
che è incaricato dell'applicazione della Convenzione di Ginevra del 51 relativa allo Statuto dei Rifugiati. L'OSPRA decide in dipendenza sulle domande di asilo e di apolidia che gli vengono sottomesse. E sotto tutela del Ministero degli Interni dal 2009 la Commissione dei Ricorsi dei Rifugiati, ribattezzata Corte Nazionale del Diritto d'Asilo, CNDA, e legata al Consiglio di Stato. Alors, à l'OFRA, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un entretien. Un entretien, l'entretien personnel, c'est l'étape clé de l'instruction de la demande d'asile. Pendant cet entretien, le demandeur doit raconter son parcours et convaincre l'agent de l'OFRA, l'officier de protection, qu'il répond aux critères des lignes de protection internationales. Les officiers de protection instructeurs examine les dossiers, auditionne les demandeurs d'asile, puis procède à l'analyse et à la qualification juridique des faits. Hein? Ces officiers doivent ensuite rédiger une décision motivée en droit et en fait. Quindi anche qui c'è un colloquio individuale che è una tappa chiave per l'istruzione della richiesta di asilo. Durante questo colloquio il richiedente deve raccontare il suo percorso e riuscire a convincere l'agente dell'OFPRA la sua situazione corrisponde ai criteri previsti da una delle protezioni internazionali. Gli ufficiali di protezione istruttori, OPI, esaminano la domanda e ascoltano il richiedente asilo e dopo procedono all'analisi e alla qualificazione giuridica dei fatti. Gli OPI devono in seguito scrivere la loro decisione motivata in diritto e in fatto. Ensuite, donc, au niveau de la protection, il y a ce qu'on appelle donc en France donc la protection subsidiaire. La protection subsidiaire, une personne peut être protégée sans que la menace ne provienne nécessairement d'autorité étatique ou de détenteur du pouvoir local, si cette personne risque la torture, la peine de mort. Si son intégrité physique est gravement en danger. En France, on appelle cela donc la protection subsidiaire. Allora, dopo c'è quello che viene chiamato protezione sussidiaria, cioè una persona può essere protetta anche se la minaccia non proviene necessariamente da autorità di Stato o da chi detiene il potere locale. Quindi può essere protetta se rischia di essere torturata o rischia la pena di morte, o se la sua integrità fisica è fortemente in pericolo, per esempio se il suo paese o la sua regione di origine stanno vivendo un conflitto armato o una violenza generalizzata tale da mettere la sua vita in pericolo. Quindi, come ho detto prima, questa protezione si chiama protezione sussidiaria. Alors, quelques chiffres. En 2019, donc, il y a eu 612 700 primo-demandeurs d'asile qui ont introduit une demande de protection internationale.
dans les 27 États membres de l'Union, il y a 140 000 demandes, y compris mineurs, accompagnants et réexamens, ont été introduites à l'OFPRA ici en France, c'est-à-dire soit 7,3% de plus qu'en 2018. L'année, à savoir en 2019, il y a une augmentation de 9,5% du nombre de personnes ayant obtenu l'asile. C'est-à-dire qu'il y a eu 36 000 dossiers acceptés contre 33 000 l'année précédente. Voilà. Allora, alcuni numeri adesso, quindi nel 2019 ci sono stati 612.700 primo richiedenti asilo che hanno fatto una domanda di protezione internazionale negli stati membri dell'Unione Europea. 140.000 domande, compresi i minori accompagnant accompagnatori, sì, i minori accompagnatori e i riesami sono stati introdotti all'OFRA, cioè il 7,3% in più rispetto al 2018. Nell'anno 2019 c'è stato un aumento del 9,5% del numero di persone che sono riusciti ad ottenere l'asilo. 36.512 domande sono state accettate contro 33.330 l'anno prima. Il tasso globale di protezione ha raggiunto circa il 39%. Allora, est-ce que tu peux arriver rapidement à la conclusion parce que je pense qu'il y aura des coursistes qui vont intervenir pour poser des questions. Si... D'accord. Ok, merci. Ok. Alors, ça, c'est les 10 premières nationalités bénéficiaires. Et lorsqu'on regarde, en fait, en France ici, au niveau des demandeurs d'asile, c'est dans la région Île-de-France, c'est-à-dire côté de Paris, il y avait donc toujours, en 2019, 43% des demandes. Les Dublinais représentaient 43,1% des demandes. Après, il y a l'Auvergne, hein, dont l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est du côté de Lyon. Et puis la région PACA, donc c'est dans le sud, 6%. Voilà. Allora, se osserviamo questa cartina, sempre nel 2019, rispetto ai richiedenti asilo, vediamo che nella regione Île-de-France c'è il 43% delle domande, mentre i Dubliners rappresentano il 43,1%, e vediamo anche nella regione Alvernia, Rodano, Alpi. Oh. Non vedo più i numeri, sì, rappresenta il 9%. C'est bon. Et ensuite, donc, il y a la Cour nationale du droit d'asile. C'est très important, hein? Donc on voit bien là. C'est-à-dire, en cas de contestation de la décision prise par l'OFRA, c'est la Cour nationale qui possède la compétence juridictionnelle de plein contentieux qui lui permet de réexaminer les dossiers en entier. Hein? Et donc, la décision de la Cour nationale du droit d'asile si substitue a celle dell'OFRA. Voilà. Quindi abbiamo in caso di contestazione della decisione dell'OFRA esiste la Corte nazionale per il diritto d'asilo che ha una competenza giurisdizionale di pieno contenzioso che gli permette di riesaminare tutta la domanda del richiedente asilo e di decidere di nuovo sulla sua richiesta. E la decisione di questa Corte nazionale del diritto di asilo sostituisce quella dell'OFRA. Alors, donc, là, nous arrivons à la fin de celui-ci. Bon,
la personne peut faire un recours. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'il peut voir, prendre un avocat et demander un recours par rapport à la décision qui est prise. Quindi la persona può fare ricorso, prendendo un avvocato, può fare ricorso alla decisione. Ensuite, il y a... Oh là là. Si ça ne va pas, la personne a l'ordre de quitter, ou QTF, on appelle ça, l'ordre de quitter les territoires français. C'est-à-dire, depuis la loi du 10 septembre 2018, certaines personnes peuvent être expulsées alors que leur demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une réponse définitive. C'est-à-dire que la personne n'a pas encore une réponse définitive, mais il est expulsé. Et donc là, nous avons les personnes qui viennent donc, des pays considérés comme des pays sûrs. Hein, et puis des personnes aussi qui, après un rejet définitif d'une première demande, réintroduisent une autre demande. Allora, esiste anche questo ordine di lasciare il territorio francese, OQTF, dalla legge del 10 settembre 2018 alcune persone possono essere espulse anche se la loro domanda di asilo non ha ancora fatto, non è ancora, no, non ha ancora ottenuto una risposta definitiva. Quindi la prefettura può spellere, quindi un ordine di lasciare il territorio francese non appena viene rigettata la domanda dell'OFRA senza aspettare la risposta della CNDA. Ok. Le persone originarie da un paese considerato come sicuro dalle autorità francesi, quindi queste sono le persone che possono essere colpite da quest'ordine di lasciare il territorio francese, e quelle che dopo un rigetto definitivo, dopo il rifiuto definitivo di una prima domanda, introducono una nuova domanda di asilo che si chiama riesamo, basata su degli elementi nuovi e degli avvenimenti posteriori intervenuti nel loro paese. Voilà par rapport donc à, au parcours donc d'intégration. Et je pense qu'on va vous envoyer les documents, donc vous avez toute la bibliographie. Bon. Ecco, è tutto per quanto riguarda il percorso d'integrazione. Potete vedere la bibliografia. Credo che vi verranno inviati tutti i documenti. Alors, il y a Walter. Mm. Nous allons finir à À 13h30, non? Oui, oui. Parce qu'il me reste un dernier élément à voir, c'est les conséquences, en fait, du modèle français, en fait, là. Les migrations d'aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, ce ne sera pas très longtemps, donc je pourrais les résumer. Et sur les modèles français d'intégration, quand on en parle, de quoi s'agit-il, quoi? Voilà un peu ce qui reste. Ah, comme tu veux, je pense, ouais. Si tout... Si tu le peux faire et terminer à midi et demi, ce sera parfait. Mais je voudrais donner du temps pour poser des questions parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils veulent poser des questions. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je vais faire ça. Mais c'est surtout pour Nadia, quoi. S'il peut prendre 5 minutes de pause, ce serait bien quand même parce que... Ok. Comme tu veux, Manuel. Oui. Nadia. Oui. Prends quelques minutes quand même de pause. Allez. Maintenant. Mais oui, parce qu'après, il y aura des questions. Donc ouais. Parce qu'après, moi, je vais enchaîner pendant 15 minutes à peu près. Allez, une dizaine de minutes maximum pour expliquer les modèles français d'intégration, même si je n'aurai pas le temps de tout développer. Et puis après, les conséquences aujourd'hui, les failles donc, de ces modèles. Quoi, voilà.
Ok, oui, on si peut. Pour moi, on peut même continuer pour moi, il n'y a pas de, Ah pas de bon, problème. si on peut continuer, Oui. il n'y a pas de problème. Dans ces cas, je vais revenir à l'autre diapo, donc celui-là. Ça va, non? Il est là? Non, pas encore. Bon, alors. Voilà. Oui, Bon. maintenant, oui. On y est. Ok, d'accord. Donc, pour terminer, donc, en conclusion, de ces cours, c'est que peut-on dire par rapport au phénomène migratoire donc aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on peut dire que depuis 1974, les immigrés vivent une situation qui est assez difficile. Une situation qu'on juge donc insoutenable. Et l'intégration devient de plus en plus difficile. Voilà. Allora, per concludere, cosa possiamo dire riguardo al fenomeno dell'immigrazione oggi? Possiamo dire che dal 1974 la situazione degli immigrati in Francia è molto difficile, possiamo anche dire insostenibile. Questo possiamo dire che l'integrazione è sempre più difficile. Et donc, nous sommes en fait dans une situation où, depuis dans les années 80, il y a eu donc ce qu'on a appelé donc les premières émeutes urbaines en France, hein, qu'on a appelé donc les événements de la banlieue lyonnaise, qui montrent aussi en même temps la crise du modèle français d'intégration. Quindi negli anni Ottanta assistiamo in Francia alle prime sommosse urbane, le prime rivolte urbane, per esempio nella banlieue di Lione, e tutto questo mostra la crisi del modello francese di integrazione. Nous verrons en même temps aussi un certain nombre de groupes qu'on peut qualifier de groupes ethniques qui vont se former, par exemple les mouvements des indigènes de la République, où là nous aurons beaucoup de jeunes d'origine maghrébine. Nous avons aussi les conseils représentatifs des associations noires de France, où là nous aurons beaucoup des personnes plutôt d'origine, enfin, beaucoup de jeunes noirs donc, qui vont faire partie donc, de ces mouvements pour revendiquer donc, la spécificité noire. Et tout cela donc, montre un peu la limite de ces modèles. Quindi nascerà anche un certo numero di gruppi etnici all'epoca. Per esempio, nascerà il movimento degli indigeni della Repubblica, composto in maggioranza da persone provenienti dal Maghreb, o anche il Consiglio rappresentativo delle associazioni nere di Francia, composto da persone di colore, e tutto questo dimostra i limiti che ci sono a questo modello. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? C'est-à-dire qu'en gros, les modèles français d'intégration, de quoi donc s'agit-il? Nous sommes dans un modèle qui ne reconnaît que l'individu seul devant la République. Vous voyez? C'est-à-dire que ces modèles-là, français, pour les conservateurs, voilà, pour les conservateurs, la tradition républicaine,
La citoyenneté française repose sur une conception universaliste, une conception originale, une conception forte de la République et de la nation. La République et la nation, c'est un modèle qui se veut universaliste au nom de l'égalité des citoyens devant la République. Devant la République, un modèle qui ignore le particularisme religieux, les particularismes régionaux, pardon, régionaux, les particularismes linguistiques, les particularismes sexuels, C'est-à-dire que je vais peut-être te laisser parler, puis après je terminerai les modèles, et ensuite je vais conclure. Ok. Allora, il modello francese di integrazione riconosce solo l'individuo, solo davanti alla Repubblica. Per i conservatori, la tradizione repubblicana è basata su un concetto universalista, forte di una repubblica e di una nazione. Questo modello è universalista in nome dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla repubblica e questo modello ignora i particolarismi regionali, linguistici e sessuali. En fait, comme le disait le Haut Conseil à l'intégration, le modèle français d'intégration ne s'intéresse pas aux communautés, mais aux individus. Mais aux individus. Il se différencie, il se fonde sur l'indifférenciation entre les hommes et les femmes. Je dis bien indifférenciation entre les hommes et les femmes, et c'est pour cela qu'il est universaliste. C'est pour ça qu'il est universaliste. C'est-à-dire que chaque être humain vaut pour lui-même, indépendamment de la communauté à laquelle il appartient. Indépendamment de la communauté à laquelle il appartient. La République ne reconnaît que les droits à l'individu libre à l'égard de ces liens communautaires. Nous sommes dans un État laïque. Laïque. L'État est neutre. L'État est neutre pose le postulat de la liberté de choix de l'individu, auquel il est reconnu des droits. Donc, c'est un modèle qui donne une grande importance au rôle de l'État. Mais malheureusement, nous sommes dans un modèle qui arrive au bout. Pourquoi? Parce que nous vivons une forme de laïcité intégriste, que moi j'appelle ça une laïcité intégriste. Où en fait, au nom de la laïcité, on va exclure certaines catégories d'individus. Il y a des formes de discrimination qui sont présentes par rapport aux enfants d'immigrés, des discriminations criantes, comme on peut le voir aujourd'hui, et le chômage ne cesse d'augmenter. Et donc, la politique, en même temps, la politique d'accueil et d'intégration, c'est une politique qui est un échec. Voilà pourquoi moi je parle souvent du mirage du modèle français d'intégration. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la parole pendant une heure aux personnes et puis après on pourra discuter après.
Quindi, secondo l'Alto Consiglio per l'integrazione, il modello francese non è interessato alle comunità, ma agli individui. Non c'è una differenziazione tra uomo e donna, è un modello universalista dove ogni essere umano vale per se stesso, indipendentemente dalla comunità alla quale appartiene. Siamo in uno stato laico, quindi uno stato neutrale che lascia libertà di scelta all'individuo. Questo modello dà tanta importanza al ruolo dello Stato, ma è un modello che è arrivato alla fine, perché lo definisco spesso di laicità integrista. Cosa significa? Significa che con la scusa della laicità si escludono delle persone. Ci sono tanti fenomeni di discriminazione rispetto ai bambini, ai figli di immigrati. Secondo me questa politica di integrazione è veramente un fallimento. Spesso definisco il modello francese come il miraggio del modello francese di integrazione. Voilà. Adesso lascio il posto alle domande. Merci, Emmanuel. Una conclusione très intéressante qui ouvre des portes à la réflexion sur pas seulement sur la forme de la migration de la migration en France, mais du rapport entre les citoyennes et l'État, les migrants et l'État. Come un fenomeno che è più globale, che è più complesso, c'est una grande question. Mais je voudrais demander aux participants de poser des questions à poser. Je sais qu'il y a plus de personnes qui m'ont demandé s'il y a l'opportunité de poser des questions. Sì, io vorrei chiedere una precisazione al professore Rossi. Chiedo scusa. Quando, lo so, se è possibile, nel momento in cui ponete la questione, potete anche, non lo so, dire il nome e magari accendere pure la telecamera per spezzare questo, se è possibile, insomma, sempre nel rispetto della privacy. Eccomi. Ah, perfetto. Perché non si vede bene. Buongiorno, sono Daniela Rossi. Volevo parlare col professore, volevo chiedere al professore una precisazione rispetto al concetto di integrazione. Cioè io più che un'integrazione, da come ha esposto la cosa il professore, la chiamerei un assorbimento. Nel senso che integrazione significa, rispettare ovviamente le regole del posto, vivere insieme in maniera pacifica, ma nel rispetto della propria civiltà, dei propri usi, dei propri costumi. E non mi sembra che l'ultimo passaggio che ha fatto il professore in Francia in questo momento si faccia questo. Ho capito male io. Grazie. Alors, pratiquement, cette participante voudrait des précisions concernant le concept d'intégration. Alors, selon elle, plus que d'intégration, elle appellerait plutôt cela de l'absorption. Selon elle, l'intégration, c'est le respect des règles du lieu où on arrive, dans le respect des traditions. Et elle a l'impression, d'après ce que vous avez exposé, qu'en France, en fait, c'est tout à fait différent, en fait.
le concept d'intégration qu'elle a, en fait, n'est pas du tout celui qu'on applique en France. Donc, elle voudrait savoir si elle a bien compris cela ou si c'est différent ou c'est, si c'est bien cela. Alors, je vais peut-être d'abord commencer par, par apporter des précisions. Je comprends où elle veut en venir par rapport à sa question. En fait, il y a intégration lorsqu'un groupe social minoritaire vivant dans une société étrangère participe à son fonctionnement. Participe à son fonctionnement tout en gardant ses caractéristiques culturelles propres. Voilà ce qu'on appelle donc intégration. Dans l'intégration, il y a aussi, comme on peut le lire sur les diapos, ensemble des politiques publiques en matière d'éducation, de travail, de logement, de santé pour permettre aux gens donc de mieux vivre. Mais par rapport à ce qu'elle vient de dire, en fait, quand elle parle de l'absorption, l'absorption, c'est l'assimilation. Elle vient de parler en fait de l'assimilation, c'est-à-dire qu'il y a assimilation lorsque un groupe ou parfois une société adopte ou est obligée ou est contrainte d'adopter les habitudes, les croyances, les modes de vie d'une culture, hein, les habitudes, les croyances, les modes de vie d'une culture dominante. Parce que l'assimilation, c'est quoi? L'assimilation, c'est l'action de présenter comme semblable. L'assimilation, c'est comparer. L'assimilation, c'est rapprocher. L'assimilation, c'est convertir en semblable. Convertir en semblable. Bon. Et lorsqu'on regarde effectivement les modèles français d'intégration, comme Madame vient de le dire, nous sommes dans un modèle où ils souhaiteraient plutôt que les immigrés soient complètement assimilés, voire qu'ils oublient qu'on lave leur cerveau et qu'ils oublient leurs origines. Effectivement, c'est ce qui arrive. Il suffirait de regarder les débats en France par rapport aux questions de la laïcité pour comprendre un peu ce que cela induit. Vous voyez? Et donc voilà, effectivement, elle a bien vu les choses, c'est-à-dire que on n'est pas dans un processus d'intégration, on est plutôt dans un processus d'assimilation. Voilà, Nadia. Ok. Allora, capisco la sua domanda e tengo a precisare alcune cose. Si parla di integrazione quando un gruppo sociale minoritario vive in una società straniera, estera, partecipa al suo funzionamento, ma conserva le sue caratteristiche proprie. Quando lei parla di assorbimento, lei parla di assimilazione. L'assimilazione è quando un gruppo o una società adotta o è costretta ad adottare delle abitudini, delle credenze, dei modi di vivere di una cultura dominante. L'assimilazione significa paragonare, ravvicinare, convertire per far diventare simile. Lei ha capito molto bene il modello francese di integrazione, invece sembrerebbe che voglia assimilare totalmente, che voglia che gli individui dimenticano le loro origini. Quindi lei ha visto molto bene questo problema, più che di integrazione si parla di assimilazione. Je ne sais pas si c'est clair. La mia domanda è, lei professore è d'accordo su questo? Allora, condivide? Oh, scusi.
Oui. Donc, elle voudrait savoir si vous êtes d'accord avec cela. Ah, si moi je suis d'accord avec les modèles. Con il modello? Vero? Oui. Rossi. Oui, avec le modèle. Beh, no. Scusate, sì, se condivide, scusate, non avevo capito, la domanda era fatta a me. Sì, se condivide questa modalità, questo modello. Oui, O se si ci sono partage, si è alternative d'accordo avec pure. ce modèle. Non, non, parce que vous savez, je pense que un être humain a besoin d'être reconnu par rapport à ce qu'il est en tant qu'individu, en tant qu'être humain. La manière dont la société donc française, je dis pas, je peux pas dire la société française, certaines personnes de la société française traitent en fait les immigrés avec ces modèles assimilationnistes est scandaleux. C'est-à-dire que moi, en tant que sociologue, c'est un modèle que je déplore. Hein. Donc là, il y a un livre qui est parti, qui va sortir sur les mirages du modèle français d'intégration, où j'explique un peu les failles de ces différents modèles. C'est-à-dire que quand on parle d'intégration, l'intégration, c'est une fusée à deux étages. Oui. Où celui qui intègre fait des efforts, et celui qui doit s'intégrer fait des efforts. Et il y a une rencontre entre les deux. Or là, on demande simplement d'adopter les valeurs, la culture, vous voyez, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, assimiler l'autre, je disais, revient donc à les comparer à soi, à les rapprocher de soi, pour les convertir à soi, à ses idées, à sa manière d'être et de faire, pour les rendre et les considérer enfin semblables à soi. Ce n'est pas possible dans un pays démocratique. Voilà. Allora, quindi io penso che un essere umano ha bisogno di essere riconosciuto rispetto a quello che è in quanto individuo. Il modo in cui alcune persone, non parlerò della nazione intera, di alcune persone della società francese trattano gli immigrati. Con questo modello di assimilazione è veramente scandaloso. In quanto sociologo non posso essere d'accordo, non mi può piacere questo modello. Sta per uscire un mio libro dove parlo proprio di queste falle del modello francese. Per me l'integrazione è composta di due piani diversi dove ognuno deve fare sforzi, sia chi arriva e vuole essere integrato che chi accoglie e deve integrare. Però in Francia si cerca di assimilare l'altro, di paragonarlo a sé per poterlo meglio convertire a sé e per poterlo rendere e considerarlo simile a sé. Secondo me, questa cosa non è possibile quando si parla di un paese democratico. Ensuite, Nadia, il y a peut-être une chose que tu pourrais ajouter. Nous sommes dans une société où il y a. En fait, on demande par exemple à ces enfants-là qui sont nés ici de s'assimiler, d'être assimilés, alors qu'ils n'ont pas à être assimilés parce qu'ils sont nés en France. On va demander aux parents de s'assimiler alors qu'ils sont nés en France. Mais si on regarde les conceptions françaises de l'égalité,
D'accord? Les conceptions françaises de l'égalité peuvent se décliner donc selon trois plans distincts. Trois plans distincts, c'est-à-dire qu'il y a l'égalité des droits. Hein? Premier principe, c'est l'égalité des droits qui a été déterminant, d'accord, en tant que principe fondateur de la démocratie. C'est ça. C'est-à-dire que cette égalité des droits apparaît purement formelle, vous voyez. C'est-à-dire que certaines populations sont victimes des inégalités. Hein? Et donc, du coup, alors, cette égalité des droits qui fait partie des fondements démocratiques ne fait pas le travail qu'il a à faire. Deuxième principe, c'est l'égalité des chances. C'est le complément de l'égalité des droits depuis la Troisième République. Et donc, cette égalité des chances est aussi injuste. Hein, avec des trajectoires inégales de personnes et tout ça, comment voulez-vous parler de l'égalité des chances lorsque les personnes, lorsqu'on ne regarde pas les trajectoires des personnes? Un enfant d'ouvrier n'a pas les mêmes chances de réussir qu'un enfant des cadres, vous voyez, qu'un enfant des professeurs, qu'un enfant d'un industriel. Et donc, comment parler de l'égalité des chances à l'école si on ne s'attaque pas à la racine, c'est-à-dire l'origine sociale des élèves, vous voyez? Et donc, troisième pilier, excusez-moi, mais ça n'arrête pas ici. Troisième pilier, c'est les piliers de la conception française de l'intégration, c'est-à-dire l'égalité. Troisième pilier, c'est l'égalité socio-économique des faits. Cette égalité socio-économique des faits se manifeste à travers les politiques sociales, avec une volonté d'égalisation des conditions matérielles d'existence. Et depuis les années 70, la France traverse une crise très, très grave. Vous voyez? Et donc, on voit bien que finalement, aujourd'hui, c'est la défaillance. Vous voyez? La défaillance de ces trois principes d'égalité. Alors, on va obliger des gens à être assimilés, mais de l'autre côté, on ne leur donne pas les moyens pour pouvoir réussir. Pourquoi? Parce que il appartient à l'individu seul de faire l'effort nécessaire pour pouvoir s'intégrer. Voilà les difficultés. Oui. Ok. Allora, vorrei aggiungere anche che noi viviamo in una società dove viene chiesto ai bambini nati in Francia di assimilarsi, ai genitori di assimilarsi. La concezione francese dell'uguaglianza è basata su tre principi diversi. Il primo è l'uguaglianza dei diritti, che è il principio fondatore della democrazia, però esistono alcune popolazioni che sono vittime di disuguaglianze, quindi l'uguaglianza non esiste realmente. Il secondo principio è l'uguaglianza delle chance, delle possibilità, che viene a completare quella dei diritti. Però come possiamo parlare di uguaglianza delle chance quando ognuno ha una traiettoria diversa? Parliamoci chiaro, un bambino figlio di operaio non avrà le stesse possibilità rispetto a un figlio di insegnante o ingegnere. Per poter parlare di uguaglianza, secondo me, bisognerebbe parlare prima dell'origine sociale degli alunni. Il terzo principio è l'uguaglianza socio-economica dei fatti che si manifesta attraverso le politiche sociali. La Francia attualmente attraversa una crisi molto molto grave. Ci sono
molti problemi riguardo a questi tre principi. Quindi si chiede alla gente di assimilarsi, ma non gli si dà la possibilità di farlo, questo perché appartiene all'individuo integrarsi. Voilà. Grazie professore, sono perfettamente d'accordo con lei, grazie tante. Ok, merci. Adesso c'era, vedo delle mani, ci sono delle mani alzate, una di Marcela. Marcela, prego. Sì, diciamo che c'era quello di Nicola prima. Però. Oh no, Nicola, io li vedo in ordine qui. Okay. Ma... Vai Nicola, vai. Vai Nicola, vai. No, vabbè, la stessa cosa, Marcella, ti ringrazio. Niente, io volevo fare una domanda che non so neanche se è una domanda, ma è una constatazione che mi sta venendo da questo corso. Nel senso che io ho, anche dalle lezioni precedenti, ed è questa anche un quesito che voglio porre al professore, ho come la sensazione che non esista, da un punto di vista neanche storico, un modello di integrazione che possa diventare una sorta di parametro. Mi spiego. Ho come la sensazione che più che altro vi siano, a volte in maniera... che si sono realizzati, diciamo, compiutamente, altre volte dei tentativi, soltanto dei modelli di assimilazione. Del resto, anche, cioè, io fondamentalmente a livello di principio, se per assimilazione si intende il riconoscere l'altro uguale a se stesso e cercare, tra virgolette, di farlo diventare a tutti gli effetti cittadino, ad esempio, francese o cittadino italiano, io non ci trovo nulla di così grave. Anzi, il concetto stesso di cittadinanza e di richiesta di cittadinanza da parte dell'immigrato e la concessione da parte dello Stato di tale status si basa proprio su questo, sul riconoscimento dell'eguaglianza dal punto di vista giuridico e quindi delle possibilità concrete della tutela del soggetto. Certo, diversa è la situazione dove a questa eguaglianza formale si vada, per così dire, ad associare un'eguaglianza di tipo sostanziale, cioè legata alla cultura, legata... Allora, per fare brevemente... chiedo scusa, siccome deve essere tradotta la... Per sintetizzare, per chi deve tradurre, vorrei capire se esiste un modello di integrazione che possa essere assunto come parametro, anche dal punto di vista storico, e se è possibile che avvenga, e soprattutto perché... il modello di assimilazione deve poi tradursi in una mancanza di riconoscimento della diversità. Grazie. Alors. Donc monsieur voudrait savoir si vous pensez qu'il puisse exister un modèle d'intégration qu'on pourrait utiliser comme paramètre, et il voudrait savoir pourquoi le modèle d'assimilation donc s'il existe un modèle d'intégration que l'on puisse utiliser comme paramètre. Et pourquoi dans certaines situations, le modèle d'assimilation se traduit par un manque de reconnaissance de la diversité. D'accord. Bon, donc, alors... première partie, si selon vous, il existe réellement un modèle d'intégration que l'on peut utiliser comme paramètre, et pourquoi le modèle d'assimilation finit par se traduire par un manque de reconnaissance de la diversité. Bon, alors, je vais commencer peut-être par la fin.
pour arriver après vers la... je commence par la fin, voilà, pour arriver di, sur... Inizio dalla fine. Voilà, sur les modèles qui seraient plutôt raisonnables. Bon, je crois qu'il y a, il y a d'abord une chose. Pourquoi est-ce que les modèles d'assimilation ne reconnaissent pas la diversité? Je pense que ces modèles d'assimilation ne reconnaissent pas la diversité. Pour comprendre cela, il faut remonter à la constitution de l'État-nation en France. C'est-à-dire que nous sommes aussi dans un État qui s'est constitué dans la négation de la diversité culturelle. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsque, depuis les origines, vous vivez dans un État où il y a la négation de la diversité culturelle, c'est-à-dire que comment est-ce que Louis XIV a constitué les royaumes, quoi. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire complète, parce que bon, Louis XIV avait commencé quand même par assimiler les notables provinciales. Vous voyez, il y a une forme d'assimilation des notables provinciaux pour pouvoir constituer l'État, les royaumes. Donc, il a fait venir à Versailles tous les notables provinciaux qu'il a nourris comme il faut, il les a bien nourris. Et en même temps, c'était aussi une manière de faire en sorte qu'il puisse les tenir sous son regard. La première chose a été l'assimilation des notables provinciaux. Et en assimilant les notables provinciaux, qu'est-ce qu'ils avaient comme langue? Eh bien, c'est la langue française. Hein. Vous voyez? Et à partir de là, ça a commencé par ça. Après l'assimilation des notables, les dogmes. Pour constituer un État, qu'est-ce que tu fais? C'est les dogmes, la religion. On va raser toutes les autres religions, notamment la religion protestante. À la Troisième République, il y avait 98% des catholiques en France. 98%, les autres religions rasées. Et ensuite, on va continuer la transformation de la société. Cette transformation va se dérouler comment? La langue. La langue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ceux qui venaient à Versailles étaient bilingues. Ils parlaient les latins et ils parlaient les français. Et ensuite, l'état civil va, donc, sera ensuite en français. Vous voyez donc les changements tout doucement. Et après, la monnaie, les gens utilisaient des écus, des petites monnaies qui ramassaient dans les jardins. Vous voyez? Et tout cela. Mais après, avec la monnaie, les choses vont changer. Et ensuite, il y a autre chose, les routes. Il faut que les gens puissent entendre aussi la parole du roi. Après, nous allons passer aux provinces. Vous voyez? Nous allons passer à la décentralisation, mais les ordres viennent de Versailles. Donc voilà, lorsqu'on arrive après à la constitution de cette nation, les conservateurs disent, mais attendez, nos ancêtres se sont bâtis pendant des décennies pour construire l'État français, un État une et indivisible. Et aujourd'hui, vous avez des personnes qui arrivent d'ailleurs, qui veulent remettre en cause les modèles unificateurs de l'État. Vous voyez, c'est pour cela, la Corse, par exemple, a un statut particulier. La Bretagne, la même chose, c'est-à-dire qu'on va commencer par raser toutes les langues, les provinces. Alors, un État qui rase toutes les langues des provinces, comment voulez-vous que cet État-là puisse accepter les Africains et les autres qui viennent, et tout ça, avec leur culture et leur manière de vivre? Donc, voilà pourquoi ces modèles assimilationnistes partent du semblable. Nous ne sommes bien qu'avec nos semblables. Vous voyez? Donc, on dira comme Donald Trump, « American first ».« American first », donc « French first ». Voilà pourquoi est-ce que ces modèles-là d'assimilation n'est pas un modèle en fait, qui renvoie plutôt à la diversité, mais plutôt à la fermeture. Parce qu'en fait, comment dire ça, c'est-à-dire que je pense que l'interculturalité, les modèles interculturels, c'est un modèle qui conviendrait à un moment donné, mais attention, cela ne signifie pas que chacun doit venir avec sa façon de vivre et tout ça, il faut quand même qu'il y ait un fameux Léviathan régulateur
des uns et des autres, pour ce qui est la société puisse continuer d'exister. Je compléterai après, Nadia, je te laisse un peu la parole. Oui. Ok. Allora, il modello di assimilazione non riconosce la diversità, però questo modello risale alla concezione che la Francia ha dello Stato-nazione. Dalle origini c'è questa negazione della diversità culturale. Se pensiamo a Luigi XIV, aveva iniziato ad assimilare i nobili provinciali facendoli venire a Versailles e assimilandoli a Versailles. È iniziato con questi nobili e dopo ha iniziato ad assimilare anche la lingua. Dopo la lingua è arrivata l'assimilazione dei dogmi, la religione. Pensate un po', durante la Terza Repubblica c'era il 98% di cattolici. Quindi c'è stata questa trasformazione sociale attraverso la lingua. Quando si arrivava a Versailles si parlava latino e francese, ma lo stato civile era in francese. Dopo la lingua c'è stata la moneta, le cose sono cambiate, le strade per andare a sentire la parola del re. I conservatori dicono che i nostri antenati hanno lavorato per costruire lo Stato francese e quindi pensano che le persone che arrivano da altri paesi sul nostro territorio vogliono rimettere in questione l'unità dello Stato. Quindi si annullano le lingue. Però non è possibile accettare questo, cioè alla fine sembra che noi stiamo bene soltanto con i nostri simili. Direi come diceva Trump per gli americani, American first, direi French first, è un po' il modo di pensare. Ecco, questo dovrebbe spiegare perché c'è questo modello di assimilazione che rimanda a questa chiusura del modello culturale. Oui, alors maintenant je vais répondre à sa deuxième question. Quel modello? Allora, adesso rispondo alla seconda domanda. Alors, par rapport au modèle, quel modèle serait plutôt intéressant. Je pense qu'il y a un État qui a commencé qui a essayé, je dirais, de travailler autour de ces questions-là. Il y a les modèles multiculturalistes, les Québécois, qu'un certain nombre des États essayent donc pas un certain nombre des États que le Québec et le Canada appliquent. Hein, donc avec, mais lorsque on regarde ces modèles-là, ces modèles renvoient quand même au-delà des difficultés qu'ils posent. Aujourd'hui, c'est quand même encore l'un des meilleurs modèles, hein, au-delà des difficultés que ces modèles posent. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes dans des États qui sont traversés par des problèmes d'identité et des reconnaissances de ces mêmes identités. Et donc, et nous savons qu'il faut un modèle qui reconnaisse les identités des uns et des autres. Pourquoi? Parce que, moi je dirais plus un modèle de reconnaissance, quoi, voilà. Simplement parce que la reconnaissance, c'est un ciment de l'identité de l'être humain. Mais, cette question de reconnaissance ne se mesure pas à l'identique. C'est-à-dire que,
Si on regarde en fait cette question des reconnaissances hein, qui a été plutôt popularisée par Axel Honneth, hein, c'est-à-dire que la reconnaissance se donne d'abord à voir de manière négative. C'est plus un sentiment de déni que de plénitude, la reconnaissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'un côté, nous voulons être reconnus parce que nous sommes égaux à tous les autres. D'accord. De l'autre côté, l'absence de reconnaissance dérive alors vers le mépris, vers les inégalités. Mais de l'autre côté, et c'est là où c'est difficile, cette égalité porte un risque de négation de l'autonomie que chacun revendique. Et donc, du coup, la demande de reconnaissance est aussi ambivalente. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que peut aller cette question de la reconnaissance. Donc, c'est une reconnaissance qui est doublement menacée. Pourquoi? Parce que, ou bien ma singularité m'enferme. Tu vois Nadia qui fronce les sourcils. Oui, oui, oui. Donc, on a ici des concepts assez complexes. Donc, cette reconnaissance, donc on a une ambivalence de la reconnaissance qui est doublement menacée. Voilà, oui. Soit, donc, elle apparaît doublement menacée, c'est-à-dire que soit parce que ma singularité m'enferme, soit parce que mon égalité me nie comme individu singulier. C'est-à-dire que de l'autre côté, pourquoi je dis que... Est-ce que... En France, on parlait du droit à la différence. Le droit à la différence. Il faut faire attention que le droit à la différence ne puisse pas amener au droit à l'indifférence. Vous voyez, c'est-à-dire que les modèles, les meilleurs modèles, c'est les modèles de reconnaissance. Mais avec des limites, les modèles de reconnaissance des identités, les modèles de reconnaissance de l'autre, les modèles, voilà, les modèles de reconnaissance d'une justice sociale. C'est ça les modèles qu'on doit prôner. Mais ces modèles-là, les problèmes, en est que, je ne sais pas si c'est un problème, ces modèles-là, il n'y a que l'État qui peut être garant de ces modèles. Et si l'État n'est pas garant de ces modèles, ben, il faudra qu'il constitue des communautés ou des groupes qui pourront veiller à un modèle comme celui-là. Est-ce que ce modèle est-il possible? Les Québécois l'ont essayé. Ils reviennent en arrière, toujours par rapport à la question, à des questions des religions, à la question des cultures des uns et des autres. Mais en tout cas, l'essai québécoise doit être salué dans un premier temps. Moi, j'aimerais bien avoir un modèle de reconnaissance réciproque, hein, des êtres humains. Mais comment on peut les construire? Voilà, excuse-moi, mais la question de Nicolas, c'est quand même une question qui est assez... Oui, oui, oui. J'espère réussir à le rendre. Alors, quindi esiste uno Stato che ha tentato, cioè rispetto alla prima domanda riguarda un modello possibile. Quindi esiste uno Stato che ha tentato di lavorare intorno a queste questioni di un modello multiculturale e questo Stato è il Quebec. Anche se ha conosciuto tante difficoltà, gli stati, negli stati che vengono attraversati da problemi di identità, bisogna adottare un modello che riconosce le identità, perché questo riconoscimento è un cemento, ma questo cemento non viene misurato in modo identico. Axel Bonnet diceva che è più un sentimento di diniego che di mi sfugge il termine che di riconoscimento. Noi vogliamo essere riconosciuti, però l'autonomia di ognuno rischia di essere comunque negata
c'è una certa ambivalenza nel riconoscimento che è doppiamente minacciato perché da un lato la mia singolarità mi rinchiude e dall'altro la mia uguaglianza viene negata. Penso che il diritto alla differenza non debba portare all'indifferenza. Il modello, trattandosi del modello di riconoscimento, è lo Stato che deve garantire l'esistenza di questo modello. Saluto sempre il Quebec che ha provato ad applicarlo questo modello, anche se è dovuto tornare indietro per motivi religiosi. Io sono per un modello di riconoscimento reciproco. Alors, juste une dernière chose hein, pour compléter l'approche de Monsieur Modafferi. C'est en fait, moi je suis très attaché à cette théorie de Axel Honneth. C'est juste pour apporter une précision, c'est-à-dire que il faut, quand on parle des modèles d'intégration, au sens général, hein, pas seulement pour les immigrés, mais quand on parle des modèles d'intégration au sens général, il faut un modèle de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que chez Axel Honneth, il développe quelque chose qui est très important, parce que les points de départ, c'est quoi ? C'est les sentiments de mépris, les sentiments d'humiliation, les sentiments de déni de reconnaissance. Et donc, Charles Taylor, qui a participé justement à façonner ces modèles multiculturalistes au Québec, dit ceci, que la non-reconnaissance d'un individu, c'est une forme d'oppression. Une forme d'oppression, c'est un oubli qui peut infliger des blessures cruelles. Et donc, du coup, la reconnaissance, ce n'est pas seulement une politesse qu'on fait aux gens. Ce n'est pas une politesse, c'est un besoin vital. Et comme c'est un besoin vital, cela signifie que, dans ces cas, pour les minorités, par exemple, hein, pour les minorités culturelles, les sentiments d'injustice, ce n'est pas seulement les manques des biens. Les sentiments d'injustice, c'est aussi le mépris d'une société par rapport à eux. C'est le mépris d'une collectivité. C'est le mépris d'un groupe ethnique. Et donc, les modèles, comme demandait M. Modafferi, ces modèles de reconnaissance, c'est un modèle de reconnaissance des minorités, de leur différence culturelle dans l'espace public, par les pouvoirs politiques. Mais, et c'est là où c'est très important, je dis bien, une reconnaissance des minorités ethniques, de leur différence culturelle dans l'espace public, par les pouvoirs publics. Mais, et ça c'est important de le dire à M. Modafferi, que à partir du moment où leur différence ne s'oppose pas aux principes acquis des sociétés démocratiques. Voilà. Alors. À partir du moment où les différences de ces minorités ne s'opposent pas aux principes acquis des sociétés dites démocratiques. Si ça s'oppose, c'est là où les problèmes commencent. Voilà, Nadia. Oui. Ouf. Hein? Et donc, oui, on demande, donc je répète, hein, donc il est demandé effectivement une reconnaissance des minorités ethniques. D'accord, donc ces modèles de reconnaissance doivent reconnaître leurs différences dans l'espace public, doivent reconnaître leurs aspirations, d'accord, leurs identités. Mais il ne faut pas que ces différences s'opposent aux principes acquis
aux sociétés démocratiques, aux principes de liberté, aux principes. Voilà donc. Dès lors que ça s'oppose, ça, ça posera un problème. Alors, je vais essayer de, oui, de rendre ça. Sono molto attaccato alla teoria di Honneth. Quando si parla di modello di integrazione in generale, ci deve essere un modello di riconoscimento. Il punto di partenza è comunque un sentimento di disprezzo, di umiliazione. In Quebec, Taylor ha partecipato a questo modello e diceva il non riconoscimento dell'individuo è una forma di oppressione, una dimenticanza che può infliggere delle ferite crudele, è un bisogno vitale. Per le minorità culturali il sentimento di ingiustizia, di disprezzo di una società nei loro confronti, il disprezzo di una collettività, il modello di riconoscimento di una minorità etnica e della sua differenza culturale nello spazio pubblico deve essere riconosciuto dai poteri pubblici. Nel momento in cui le differenze di queste minoranze non si oppongono ai principi di queste società democratiche, va tutto bene. Dal momento in cui queste differenze invece si oppongono a questi principi delle società moderne, cambia tutto e nascono i problemi. Ok. Perfetto. C'è terminé, Manuel? Oui, donc j'attends d'autres questions. Je pense que nous avons encore le temps pour la dernière question. Oui. De Marcella. Marcella, tu es là? Ok, ci sono. Diciamo che non lo so, magari faccio perché avrei parecchie domande, no? O magari sintetizzo, magari quella cosa. Allora, una accendi, prima accendi la videocamera. Sì, sì. Allora, salute. Je suis un albanese in Italia. Oui. Sono albanese in Italia. Diciamo che è stato molto interessante seguire perché anche avendo amici francesi lei mi ha aperto un mondo che non conoscevo, diciamo, partendo dal percorso storico che mi ha fatto piacere sentire per esempio che il primo ufficio di immigrazione in Francia è stato istituito nel 1945, come ha detto lei, 75 anni fa. Invece penso allo sportello unico sull'immigrazione in Italia solo nel 98. E tutto questo percorso che lei ha fatto mi ha fatto pensare che il legislatore francese ha, anche a seconda dei propri interessi nelle diverse epoche, però ha legiferato, nel senso ha messo nero su bianco, diciamo cercando di regolarizzare questa migrazione, no? Invece magari in Italia hanno tentennato a fare questo, no? Anche quando avevano diverse opinioni, anche se arrivando ai giorni nostri un po' mi fa pensare come se adesso la Francia è messo peggio dell'Italia a livello di integrazione, no? Perché c'è una grande confusione, diciamo, da quello che ho capito, no? E questa è una piccola considerazione. Poi mi sarebbe piaciuto sentirla sulla... Cioè, lei ha parlato del rapporto tra uomini e donne e di questo principio di eguaglianza che la Francia, come Stato madre, cerca sempre di...
diciamo di realizzare anche nei confronti dei cittadini migranti, no? Però non è che perché noi sappiamo, no, che la relazione con nostra madre a noi, a noi persone, no, ci aiuta a relazionarsi con noi stessi, no? E la relazione invece con nostro padre ci aiuta a relazionarsi con l'altro, con il mondo, no? Nel caso della Francia, so che è stato puntato molto sulla scuola, perché tramite la scuola i ragazzi, i bambini, si poteva arrivare alla madre e all'intera famiglia, no? Ma se anche per te, per la traduzione, si può sì. arrivare... Sì, 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 sì. Nadia va in tilt. Sono già in crisi. Ah, ecco, la... Dopo 3 ore comincio ad essere in crisi, non riesco più a connettere. Allora... L'altra questione è la laicità dello Stato, sì. E il velo, no. eccetera, però la cosa più importante secondo me che mi incuriosisce di più è se può il professore, se ci può raccontare qualcosa del suo di percorso migratorio, cioè lui in quanto sociologo ha magari ha visto i sentimenti, la pancia dei francesi, no? Magari durante i suoi ma studi, no? Io penso, non per deluderti, penso che sarebbe molto bello sapere questo, però non credo che ce la facciamo né come tempo lo so, né come, lo so, ma infatti come mi dispiace. Come possibilità di, però ci saranno sicuramente altre occasioni. Ora se okay, Nadia vuole... Va bene, io lancio lo stesso la domanda. Sì, okay, va bene. Allora, parlo anche di quello che ha detto un po' prima, sì. Va bene? Donc, madame a trouvé très intéressant votre cours, vous lui avez vraiment ouvert des horizons qui lui étaient inconnus, hein, y compris quand vous avez parlé du parcours historique. Et donc, elle a cru comprendre que le législateur français a beaucoup travaillé en ce qui concerne l'immigration, alors qu'en Italie, tout a été beaucoup plus lent, d'accord ? Et ça lui a fait très plaisir de voir que le premier bureau dédié à l'immigration est né en France en 1945, alors qu'il n'est né en Italie qu'en 1998. Et qu'elle a l'impression que, en fait, aujourd'hui, la situation en France est pire que la situation italienne au niveau de l'intégration. En fait, la question, Walter l'a coupée dans ses élans, la question c'est, elle voudrait savoir si vous voudriez raconter quelque chose s'agissant de votre parcours migratoire personnel. Ah, mais... Non comme sociologue, disons. Bon, Walter a précisé que ça demanderait peut-être énormément de temps, hein. Pas en tant que sociologue, en tant qu'être humain. Non, mais moi je ne suis pas immigré, donc ça ne pose pas de problème. Alors, il professore non è un immigrato, quindi non c'è nessun problema. moi, je suis un Français pur port. Sono un francese puro sangue. C'est-à-dire que, regarde comme je suis là, je suis blond. Guardami, sono bianco, sono biondo. Non, mais je pense qu'il y a, une chose quand même, hein, qu'il faut comprendre. Je pense que la réussite dans la vie ou les parcours d'intégration dépend aussi des efforts que la personne fait elle-même. Des efforts che la personne... Voilà. C'è una cosa che bisogna capire, che riuscire nella vita è anche il percorso di integrazione dipende molto dalla volontà di ognuno. C'est-à-dire che moi je connais Walter et Anna. Je ne sais pas, Francesco, à quel âge maintenant? Francesco, 17 ans, non? Oui, 17 ans.
Voilà, ça fait, donc Francesco, 17 ans, donc ça fait 17 ans, même 18, je crois, voilà. Ouais. Parce que la première fois qu'ils sont venus à Lille, Francesco était tout petit, ils étaient en train de les porter. Je suis arrivé, j'avais 17 ans, c'est-à-dire l'âge de Francesco. Voilà, tout seul. C'est-à-dire que mes parents, comme c'est des sauvages en Afrique, ils m'ont jeté dans l'avion, ils m'ont dit, va voir les Blancs, et pour essayer de devenir intelligent. Et... Allora, je peux commencer à traduire, sinon après je vais te perdre. Allora, vorrei dire che conosco Walter e Anna da circa 17 anni. Io quando sono arrivato in Francia avevo circa 17 anni e i miei genitori, siccome sono delle persone, dei selvaggi, africani, mi hanno buttati nell'aereo e mi hanno detto vai in Francia così impari qualcosa. C'est bon. Okay, voilà, oui. Donc attention, quand je dis sauvage, c'est une boutade. Hein, donc, Ovviamente è una battuta quando definisco i miei genitori selvaggi. Et donc après, j'ai... Ensuite, donc, je suis rentré, à... quand soit arrivé, bon, j'ai... Comme j'étais dans une école privée en Afrique, il a fallu que je fasse ce qu'on appelle l'examen spécial d'entrée à l'université. Donc, mais j'avais déjà commencé à l'université. Quand j'ai fait cet examen, je suis entré à l'université. Alors, moi, je voulais être diplomate pour voyager à travers le monde. Bon. Après, médecin. Mais finalement, je suis devenu sociologue, c'est-à-dire un médecin donc qui analyse un peu la souffrance des gens quoi, mais du point de vue social et tout ça. Et après donc j'ai, mais une chose quand même importante, quand vous, parce que tout ça c'est partie de l'intégration, c'est-à-dire que dans la vie il y a des rencontres qui sont importantes, il y a aussi des réseaux qu'on s'ouvre qui sont aussi important. Moi, je me rappelle quand j'étais en première année, deuxième année de sociologie, on avait tous les Africains qui étaient là, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Je me suis écarté vite, inconsciemment. Inconsciemment, c'est-à-dire que je n'étais pas vraiment dans les réseaux, donc j'étais plus avec d'autres amis et tout. Et puis après, j'ai avancé jusqu'à un master. Et puis après, alors, il fallait vivre aussi. Donc, j'étais aide-pâtissier. Hein? Pâtissière, il y a, non? C'est ça qu'on dit? Pâtissière. Donc, alors, la chose qui va vous faire rire, comment j'ai trouvé le travail? D'abord, j'ai passé dans un magasin, c'était marqué aide-pâtissier, quelqu'un pour aider les pâtissiers. Je suis rentré, j'ai demandé au patron, je lui ai dit, mais... Qu'est-ce qu'il fait un aide-pâtissier? C'est pour faire quoi? Le patron m'a regardé, Nadia doit être en train de rire déjà, il m'a dit, mais c'est pour faire un gâteau. Et je lui ai dit, voilà, mes parents doivent m'envoyer de l'argent de l'Afrique. Je suis obligé d'aller à Bruxelles pour récupérer l'argent chaque fois. Et là, actuellement, c'est difficile parce qu'au niveau de l'échange, je vous propose de venir travailler pour vous pendant un mois, gratuitement, pour apprendre à faire les gâteaux. Et si vous pensez que je travaille bien, ben, vous pouvez me recruter. Sinon, donc le patron, il a rigolé. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible, quoi. Et le patron partait en vacances à Philadelphie. Il a dit à son chef, OK, je vais... Il a appelé son chef qui s'appelait M. Wagnon. Je me rappelle encore du nom. C'est longtemps, ça fait longtemps. Hein. C'est dont je vous parle, ça fait au moins une quarantaine d'années. Donc, M. Wagnon est monté. Il dit, voilà, les petits qui est là, vais travailler. Il m'a regardé demain matin à 4h30 du matin. Je n'avais pas de voiture. J'ai dit oui, oui, oui. Donc j'allais à pied, je faisais 5 km à pied pour aller faire des gâteaux. Et il m'a dit, maintenant, tu vas combiner ton travail avec l'école. J'ai fini ça à 8h30. J'ai parti à la faculté faire les cours. J'ai revenu. L'après-midi, j'ai continué de travailler, de faire les gâteaux. Et c'est comme ça que j'ai travaillé jusqu'à ce que je sois arrivé en master. Et après, je suis devenu éducateur. Et après, j'ai eu le doctorat
Et puis après les doctorats, je suis rentré à l'Université catholique de Lille. Et après l'Université catholique de Lille, la Calabre. Je suis allé à Calabre, à Metz, à Paris maintenant, titulaire de la chaire de travail social et l'intervention sociale en France. Voilà un peu donc. Mais il y a quand même une chose par rapport à mon parcours. Moi, j'ai dit toujours que j'ai eu de la chance dans ma vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont docteurs, mais qui ne sont pas à ma place. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens. Walter, ça fait 17 ans. Ça fait plus de 17 ans. Antonio Sama, qui n'est pas là. Et puis après, c'est-à-dire que quand je dis j'ai eu de la chance, quand je suis arrivé à l'Université catholique de Lille, j'ai été recruté juste après mon doctorat en 1998. Qu'est-ce qu'on m'a demandé quand j'ai été recruté à l'Université catholique de Lille? C'est de développer les relations internationales, de développer les masters, ça n'existait pas, de mettre en place la filière des sociologies, ça n'existait pas. Et à l'Université catholique de Lille, je suis devenu le directeur adjoint de l'Institut du travail social de l'Université catholique de Lille. J'étais directeur des masters, les masters de sociologie. J'ai créé la filière de sociologie, toute la filière. J'étais le directeur des relations internationales de l'Institut social de Lille. Et après, j'ai été nommé maître des conférences et professeur des universités. Et puis après, j'étais fatigué avec les curés, les religieux. Et puis, je suis parti à l'Université de Lorraine pour retrouver mes amis les Italiens. Et je viens de quitter l'Université de Lorraine pour Paris. Mais je suis toujours à l'Université catholique de Lille parce que je suis très attaché. Donc voilà, donc c'est ça, si vous voulez. Je crois que dans la vie, c'est pour cela. La première chose que moi j'ai toujours dit à mes enfants, ne me parlez jamais de racisme. Si vous voulez me parler des racismes, ne me parlez pas, ne me dites pas, je n'ai pas eu ça et ça et ça parce qu'il y a des racistes. Commencez d'abord par travailler et après, à diplôme égal, vous me parlerez des racismes. Jamais avant. Voilà. Donc, d'abord, les efforts. Et quand tu as fait des efforts, si tu n'as pas le travail, c'est différent. Et c'est comme ça. Voilà, Marcel. Maintenant que je t'ai raconté mon histoire, tu donneras 1500 euros à Walter qu'il va me renvoyer. Parce que je viens de raconter mon histoire à 40 personnes, là, à plus de 50 personnes. Mais c'est toujours important. Vous voyez, donc, merci. Ok, merci. Ok, allora cercherò di parlare del percorso. Allora, quando ero in Africa. Qualcosina dall'italiano lo capisco. Ok. Allora, quando ero in Africa ero in una scuola privata, quindi quando sono arrivato in Francia ho dovuto sostenere un esame speciale per l'ingresso all'università. Ero già all'università in Africa. All'epoca volevo essere diplomatico, e dopo volevo essere medico e finalmente sono diventato sociologo. Credo che nella vita gli incontri e le reti sono molto importanti. In secondo anno di sociologia c'erano tanti africani con me e tutti avevamo le stesse difficoltà. Io mi sono allontanato da loro e ho cercato di andare avanti. Ovviamente per poter vivere c'era bisogno di soldi, quindi sono diventato aiuto pasticcere e adesso vi racconto come ho fatto ad ottenere questo lavoro. Sono passato davanti a una pasticceria dove c'era questo cartello cercasi aiuto pasticcere, quindi sono entrato e ho chiesto alla persona dentro in che cosa consisteva il lavoro, quindi si è messo a ridere e mi ha detto pasticcere significa fare dei dolci. Non avevo soldi, dovevo aspettare che i genitori mi mandassero soldi dall'Africa, quindi ho fatto una proposta alla persona dentro la pasticceria. Gli ho detto, vi propongo di venire a lavorare gratuitamente per un mese da voi, se vado bene mi tenete, se non vado bene mi mandate via. Questa è una cosa oggi praticamente impossibile. Mi ricordo ancora il nome del proprietario della pasticceria, Monsieur Wayon, e vi parlo di 40 anni fa. Quindi cosa mi ha detto? Mi ha detto venite domani mattina alle 4:30
Quindi non avevo la macchina all'epoca e facevo 5 chilometri a piedi per raggiungere la pasticceria, però mi ha detto una cosa, mi ha detto tu vieni a lavorare alla pasticceria, però devi continuare a seguire i corsi all'università. E da lì sono andato avanti, ho fatto il master, dopo sono diventato educatore, dopo ho fatto il dottorato, dopo sono entrato all'Università Cattolica di Lille, dopo a Metz. Ho avuto tanta fortuna nella vita perché tante persone sono dottori, però secondo me non hanno avuto la stessa fortuna che ho avuto. Dopo nel 98 ho iniziato a lavorare all'Università Cattolica di Lille e mi è stato chiesto di sviluppare alcuni master, di sviluppare le relazioni internazionali. Sono diventato direttore dell'istituto, del master in sociologia e dopo sono diventato professore. Dopo ho deciso di andare all'Università di Lorraine, non ho abbandonato comunque l'università di Lille, sono andata a trovare gli italiani all'università di Lorraine. Ai miei bambini io dico sempre: non parlatemi di razzismo, iniziate prima a lavorare, dopo se non riuscite a trovare un lavoro, è un'altra cosa. Prima di tutto bisogna fare degli sforzi. E ha concluso dicendo a Marcella che deve dare 1.500 euro a Walter perché ha raccontato la sua storia a più di 40 persone. Ok. No, veramente me l'aveva dato lui a me per farti questa domanda. Nadia, Grazie giusto in dire una cosa. comunque. Allora, Buon fine settimana. un'ultima cosa forse, Emanuele? Dernière chose, c'est-à-dire que quand j'avais fini avec la pâtisserie, je suis devenu éducateur. Ok, C'est-à-dire un'ultima cosa, quando ha finito con la pasticceria è diventato educatore. Et après, je suis devenu les responsables, donc les éducateurs, dans un établissement qui accueillait des mineurs délinquants. Et c'est là où j'ai commencé, donc j'ai continué à préparer mon doctorat. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. E dopo è diventato responsabile. Di Merci. educatori che lavoravano in un centro per minorenni problematici e dopo ha fatto il dottorato. Solo questo. Très bien, très bien. Grazie ancora. On a terminé, il ne me reste pas que remercier monsieur Jovelin, surtout un ami de longtemps, un ami de notre université, de notre département. Et je pense qu'il lui a donné des choses très intéressantes pour les participants au cours, parce que nous avons déjà touché le dernier argument de nous avons bien parlé de la reconnaissance, de l'importance de la reconnaissance. Oui. C'est-à-dire que je pense que les choses qu'il lui a dit seront utilisées par les participants dans la rédaction de leur travail final. La dernière chose, je voudrais vraiment remercier Nadia parce qu'elle a été précieuse et c'est Va une. bene, l'ultima ora un po' di meno. Sentivo Ma veramente i neuroni no, ma per, ma per, in ma perché. pappa. Ma per carità, Nadia, sei Il stata faut che tu me veramente, frappe le mains comme ça, pour Nadia. veramente preziosa ti devo veramente Merci, ringraziare. Nadia. Merci. Jovelin, j'espère qu'il y Merci, aura Emmanuel. ma pas de quoi. J'espère qu'il y aura des autres opportunités pour nous voir, pour parler, pour retourner à nous voir, à nous fréquenter, des présences plutôt qu'en forme virtuelle. Et je te remercie pour.
Même toi pour le portage de l'Est, pour l'opportunité qu'il nous a donné à tout le monde et à faire de cette master une place plus intéressante. Ok, merci, merci à tous, merci, merci. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi et à très bientôt au téléphone. Au revoir et à très bientôt à Lille. Oui, je vais te préparer du chocolat belge. Hein. Ah oui, alors je viens tout de suite. Belge. Alors, voilà. Pouvoir voyager, donc je me fais vacciner tout de suite. Pour le chocolat, je me fais vacciner. Oh, oui, c'est pour cela. Ils font un bon chocolat belge. Merci. Chocolat belge, voilà. Merci, merci à tous, merci. Ciao, ciao Anna. Ciao. Bon week-end, merci. Bon fine settimana a tutti. Ok, ciao. Grazie Nadia, grazie. Grazie Nadia, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao Emanuele. Ciao, ciao. Ciao. Okay. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie. 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 Arrivederci.